Bonjour, je suis Romain Cressant, responsable commercial sud pour Payco France. Nous nous trouvons ici à Marseille sur le chantier de Bouygues Bâtiment, sur la construction d'un bâtiment R+2 sur lequel ils mettent en œuvre nos poutres Delta Beam avec un plancher de dalles alvéolées. Il s'agit d'installer 88 poutres Delta Beam de différentes portées, ça va de 2 mètres à 10 mètres sur les 3 niveaux de plancher. La Delta Beam, elle est intéressante du coup en termes de maniabilité parce qu'elles sont légères par rapport à des poutres béton. Donc elles permettent de les lever avec une grue qui a besoin de moins de capacité. La mise en place est beaucoup plus facile. Il y a un système qui est équipé dessus pour pouvoir rééquiper nos poutres de garde-corps. Et elle permet un phasage assez régulier et beaucoup plus rapide sur la pose de nos poutres. L'objectif numéro un qu'on avait respecté en utilisant les Delta Beam, c'était de récupérer un espace le plus important possible entre la sous-face de la poutre et la dalle du plancher du dessous. Avec des poutres standard béton, on avait une retombée plus importante que celle que l'on obtient en posant des Delta Beam. On a réussi à récupérer 34 cm, c'est le delta qu'on a entre une Delta Beam et une poutre béton. Et ces 34 cm-là nous ont permis de faire passer tous les réseaux dont on avait besoin pour ce chantier.